Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien le bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour à vous tous qui nous suivez par le truchement de la télévision de Celles et Lumières. En cette fête de Saint-Benoît, nous prions plus spécialement ce matin aux intentions de Madame Luchita Jean-Pierre. Au début de notre rencontre avec le Seigneur, préparons-nous à l'accueillir et reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous sommes sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a fait de Saint-Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, sans que rien préféré à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant le combat. L'homme dit : Lâche-moi, car l'aurore est levée. Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et avec des hommes, tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Penuel, c'est-à-dire face de Dieu, car il disait, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il passa au torrent de Penuel. Il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Justice, entends ma plainte.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles se disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Chers frères et sœurs, le récit de Jacob que nous avons entendu dans la première lecture est intéressant. Est intéressant pour nous parce que ce récit évoque plutôt des réalités spirituelles, voire même des réalités mystiques. Et au-delà des symboles qui sont utilisés, l'échelle, enfin le combat et tout ce que nous avons entendu de mode symbolique, au-delà de cela, Dieu nous parle. La situation de Jacob était dramatique.
Après avoir été en exil pendant plus de 20 ans, Jacob revient vers son pays. Et il apprend que son frère Ésaü l'attend avec une armée. Ce frère, à qui il avait ravi le droit d'aînesse et qui s'était juré de se venger en le tuant. Jacob demeure donc seul avec une décision à prendre. C'est la nuit. C'est le combat dans la nuit. Je peux penser ici à mes propres combats, ceux que je porte seul dans ma prière jusqu'à l'aurore. Ce n'est pas un faux combat. C'est un dur combat dont on ressort avec des blessures marquées pour la vie. Sans le savoir, c'est avec Dieu que Jacob s'est battu. Jacob venait de vivre le combat de la prière. Tout semblait lui dire que Dieu l'abandonnait. Toute la nuit, il avait prié Dieu, « Redonne-moi cette bénédiction que tu m'avais faite jadis, sauve-moi. » Et le Seigneur le bénit et le charge et il change son nom en celui d'Israël. C'est l'aventure spirituelle de Jacob et c'est aussi notre aventure spirituelle devant Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit, hein, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Jamais rien de pareil ne s'est vu dans la vie de Jacob. Jamais rien de pareil ne s'est vu dans notre propre vie. » Profitons bien de cette Eucharistie pour demander à Jésus le don de la persévérance dans la prière. Et que jamais nous nous découragions de prier celui qui peut tout pour nous. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Le vin du royaume éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours, humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas et Alain, et toute personne qui ont charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissant nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, mais que je tiens mon esprit et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
guérison, pour la vie éternelle. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Prions encore. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements de Saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière, et avoir pour nos frères et pour nos sœurs une grande charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Bonne journée.